Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la 28e séance du challenge 66 by Sarah. Aujourd'hui, on va partir sur 10 minutes de renforcement de la sangle abdominale, donc un travail plutôt complet. Et on va tout de suite démarrer là en rameur. Donc deux options, soit vous décollez complètement les pieds, soit vous posez les talons. Et là, on va pivoter, aller chercher sur les côtés en posant le bout des doigts. Allez, 1. 2, on rentre le ventre, 3, 4, on garde droit devant, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on relâche, on allonge les jambes, les pieds flex, le dos droit, et là on va tendre une jambe, la soulever en essayant de s'allonger complètement. On relâche, on passe sur l'autre jambe. On relâche, là, toujours le dos bien droit, on tend bien la jambe, on essaye de la garder bien tendue et on relâche. Une fois encore, on relâche, on va reprendre là, le travail du rameur. Soit talon au sol, soit talon décollé et on pivote, on regarde droit devant, on lève légèrement le menton et on va chercher bien sur les côtés. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. On va s'allonger. On va enchaîner tout de suite là par un ciseau très lent. On bloque. Là, on pousse le coude. Avec le coude, on pousse son genou. On tend la jambe. Elle est à 2-3 cm du sol. On rentre le ventre en contracte. Et on inverse. On continue là à pousser son genou avec son coude. Là, le ventre toujours bien rentré. Encore une fois, on change. On pousse. Là, on fait une force en opposition. On change. Et là, on va partir sur 12. Ciseaux très rapides. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 12, on relâche, on pose les jambes au sol, écartez largeur, épaules, on va tendre les bras, là, le regard au plafond, on rentre bien l'entrée, 1, beaucoup d'amplitude sur le mouvement, 2, 3, un mouvement très long, 4, 5, on expire en montant, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, les bras tendus. 1, 2, 3, on rentre toujours le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, les mains sur les cuisses, on fait glisser les mains le long des cuisses jusqu'en haut, toujours le ventre bien rentré. Et là, 1, tout doucement, on suit mon décompte, 2, 3, 4, 5, 6, on regarde toujours au plafond, 7, 8, 9, 10, on déroule bien, 11 et 12. Là, on va poser le talon sur la jambe opposée, une main au sol, la main opposé au niveau de la tempe, et là, le coude vient toucher le genou posé en diagonale. Toujours le ventre rentré. On regarde au plafond. Et 1, on monte bien haut. 2, 3, on déroule bien. 4, 5, 6, on expire en montant. 7, 8, 9, 10, 11. Et 12, on va changer, on enchaîne tout de suite, là, coup de genou opposé, là, toujours le ventre rentré. 1, 2, 3, 4, 5, on expire en montant, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12, on relâche, là, on pose les pieds, les mains en direction des chevilles. Et on va aller toucher là, sa cheville sur les côtés, toujours le ventre rentré, regarde
Portez vers le haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. On colle les plantes de pied entre elles. Là. On écarte les cuisses, les bras tendus entre les jambes. Là, on va vraiment bien rentrer le ventre, rentrer le menton, regarder au plafond. Et là, dans un mouvement très grand, donc beaucoup d'amplitude, on va soulever le buste là. Un, et on expire. Deux, trois, on déroule bien. Quatre, cinq, expire en montant. Six, sept, huit, toujours de l'amplitude. Neuf, dix, onze, on contracte fort en haut. Douze, on reste là. On bloque et là, des tout petits. 1, 2, 3, 4, expirez. 5, on reste pas en apnée. 6, 7, 8, 9, 10, on rentre le ventre. 11 et 12, on relâche les mains en direction du plafond. Et là, on décolle, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. On va se mettre sur le côté. Ici, là, la main plaquée au sol. L'autre main sur les tempes. Et là, on va chercher là, à soulever son épaule et à placer le coude là, presque derrière la hanche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On se remet sur le dos et avant de passer sur l'autre côté, on va déjà là se mettre sur le dos, les jambes à l'équerre, on plaque les mains au sol et là, en hélice, on va descendre les genoux en direction du sol. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Faites au mieux, vous pouvez décoller légèrement la tête si vous voulez amplifier le travail au niveau des abdos. Et là, 3, 4, les jambes restent bien en équerre. 5, 6, on rentre le ventre. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va passer sur l'autre côté. Là, les jambes légèrement fléchies, bras tendus, la main plaquée au sol, épaule au sol. Et là, on va soulever le coude en direction du bassin, vraiment derrière les fessiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On revient au centre. On va tendre les jambes. Là, et là, des tout petits ciseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 9. On rend toujours le ventre. 10, 11 et 12. On garde les jambes tendues. Et là, on va descendre une jambe à 2-3 cm du sol et on remonte, on alterne. 1, 2, on garde les pieds flex. 3, les jambes bien tendues. 4, 5, on rentre le ventre. 6, on contracte à la descente. 7, on maîtrise. 8, 9, 10, allez encore. 11 et 12, on reprend les petits ciseaux là, bien toniques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 8, 9, 10, 11 et 12. On garde les jambes tendues et on reprend le même mouvement là. Jambes tendues, pieds fléchis. 2, 3, 4, encore, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, pour finir, on
garde les jambes tendues, on va bien pousser en direction du plafond en soulevant les fesses. 1, 2 pour travailler le bas du ventre. 3, 4, 5, on reste bien aligné. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà pour aujourd'hui. On a fait nos 10 minutes de renforcement musculaire. J'espère que ça a été. Donc, vous voyez, aujourd'hui, j'ai tourné dans ma salle de boxe. Voilà, on est ravis d'avoir pu l'ouvrir lundi. Donc, c'est reparti avec des conditions un peu particulières. Mais en tout cas, on est là et on continue. On va ouvrir tout l'été, en tout cas tout le mois de juillet. Et on verra pour le mois d'août. Mais je suis vraiment contente de pouvoir... revenir dans cette salle et voir du monde bouger et frapper sur les sacs. Voilà, bon, en attendant, je vous donne rendez-vous demain pour les 10 prochaines minutes du challenge. On fera la 29e séance et portez-vous bien. Putain, même ça, ça arrive à me faire